Yo les potes, c'est Papin et aujourd'hui les gars, toute nouvelle vidéo sur Ark. Comme promis, je vous avais promis dans la dernière vidéo où on avait tamé le dent de sabre, donc le sabre tous avec Yo-Yo. Je vous avais dit qu'on allait, j'allais vous faire un petit tuto pour fabriquer, comment fabriquer le bateau piège. Et ben voilà, cette vidéo arrive enfin. Donc je vais vous laisser avec la vidéo, parce que je vais mettre une petite musique en fond pour vous mettre le passage en accéléré, parce que ça risque d'être un peu long, et puis voilà, je reprendrai le commentaire pour les moments cruciaux, et vous montrerai que ce bateau marche même pour les T-Rex. Donc voilà les gars, je vous laisse avec cette vidéo, et je vous retrouve plus tard dans la vidéo pour vous expliquer tout ça. Allez les gars, peace.
Ok les gars, donc vous avez vu là ce qui est marqué, donc je peux pas continuer à mettre mon plafond car il me dit qu'il y a trop de structures sur cette plateforme, mais la raison je la connais, j'ai fait un petit peu exprès en fait au début, parce que je sais pas si vous avez vu, vous voyez j'ai fait un débord de ce côté-là et j'en ai fait un de l'autre côté. J'avais fait un petit peu exprès pour vous montrer un peu ce qui pouvait vous arriver si vous voulez faire un peu trop les... Si vous vous amusez à faire un peu trop les portugais. Donc tout simplement en fait, voilà, ben du coup... Je supprime des structures. Voilà, j'enlève pas mal de plafonds que j'avais en trop. Hop. Et là, on va pouvoir finir notre construction. Vous allez voir. Bon, vous avez pu voir des fois, il y a eu. Merde, du coup, j'ai récupéré tout le bois, tout ça. Faut que j'y enlève. Voilà. Donc, vous avez vu un petit peu comment ça se passait. Bon là, il y a eu un petit fail, hein, vous voyez, j'ai un peu de, j'ai du rab derrière. Bon d'ailleurs, je pourrais aussi le supprimer, mais vous allez voir que ça va quand même marcher, hein, vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous avez pu voir également qu'à certains endroits, je vais vous montrer, par exemple comme ici. Voilà, du coup, ça va pas marcher à cause du fail. Mais comme ici, par exemple, j'ai laissé un trou, etc. Et vous allez comprendre pourquoi. Par exemple, quand vous avez votre porte d'ouverte, voilà, quand vous avez votre porte d'ouverte, quand vous allez aggro un dino, aggro pour les novices, vraiment les deux novices, c'est quand vous l'attirez simplement, et ben en fait, ça va vous permettre, vous, de vous échapper par là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous échappez, le dino reste. Alors même si ce piège marche également aussi pour les argentavis, hein. Donc même si par les trous comme ça, les argentavis ils passent pas, seulement les ptera. Et donc voilà, ça vous permet de sortir, de revenir par exemple sur, vous reposer sur le toit vite fait et hop, de refermer la porte. Voilà. Et là, votre dino est piégé dedans. Alors, j'ai pas totalement fini la structure encore. Il reste quelques trucs à poser. Par exemple, là, des échelles à mettre en haut pour aller rejoindre notre Optera quand il est posé au-dessus. Il nous reste également à mettre des rampes. Évidemment, des rampes très importantes, ne pas oublier. Je vais vous les faire, vous allez voir. Mettre les rampes de chaque côté des portes. Pour évidemment que les dinos puissent monter dans le radeau, sinon ça va être impossible, même en étant collé contre les barrières. Du coup, ça, je vais pouvoir le supprimer. Voilà. Parce que du coup, ça me sert vraiment à rien. Hein. Vous voyez? Voilà. Une cage comme ça, il y en a assez. Là, c'est pareil, vous voyez, j'ai fait une largeur en plus. Vous aurez pu faire une largeur en moins là si vous voulez faire simplement pile poil la taille de la dinoporte en largeur. Ça suffit largement. Donc là je vais aller faire les rampes pour vous montrer. Ça c'est quoi? Ouais, la fondation en bois de tout à l'heure. Alors attendez. Ce que vous pouvez faire, donc en fait j'ai fait une petite plateforme à côté, c'est pour pouvoir vous mettre le plus loin possible et tirer en fait avec votre arbalète ou votre fusil. Et normalement, aucun dino ne peut vous toucher, même si c'est un T-Rex ou quoi. Sinon, vous essayez peut-être, comme moi j'avais fait une fois, mettre une rampe ici et descendre au plus bas de la rampe pour pouvoir le toucher. Et là, personne, là vraiment, aucun dino ne peut vous avoir. Après, vous pouvez également rajouter sur cette partie-là une armoire de conservation pour vous mettre vos croquettes, vos viandes pour vous manger, pour vos dinos ou quoi. Vous pouvez mettre une armoire pour stocker vos arbalètes, vos flèches, etc., les pots de narco, tout ce que vous voulez. Et surtout, n'oubliez vraiment pas quelque chose qui peut être très important, un lit, même plusieurs lits si vous en avez la possibilité, qu'au cas où, si les choses tournent mal, vous pouvez vite respawn sur votre bateau piège. D'ailleurs, je vous conseille de le renommer. Voilà, vous le nommez piège. Nommé piège, comme ça vous le retrouvez direct. Et si vous avez une bricole pendant votre timing, vous pouvez vite respawn là, récupérer votre ptera, votre stuff sans aucun souci. Donc là, je vais aller finir les quelques bricoles qui me restent à faire. Comme je vous ai dit, mettre les échelles là. Si
si j'y pense, et surtout les mince, comment les rampes pour accéder au bateau. Et puis voilà, puis je vous montrerai qu'un T-Rex peut rentrer dans ce piège sans aucun souci. Et les amis, à tout de suite. Ok les gars, heureux, donc j'ai fabriqué mes petites rampes. Donc voilà, simplement vous les posez comme ça. Voilà, ce qui permettra que depuis la plage, ben, les dinos pourront monter dessus, rentrer dans votre piège, sans problème, sans forcer. Après moi, vous voyez, j'ai mis deux dinoportes, une de chaque côté. C'est pas une obligation. Après, si vous êtes tout le temps, par exemple, deux de votre tribu à tamer, c'est pas mal. Par exemple, un qui ferme les portes derrière vous, en restant safe de ce côté-là. Vous voyez, vous passez avec votre ptera à travers la deuxième porte, votre pote referme vite là, le dino rentre, il referme vite de ce côté-là. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai testé les deux techniques et franchement les deux marchent super bien. Voilà, alors je finis de mettre mes petites rampes. Voilà. De l'autre côté là-bas. On peut en mettre une ici. Je vais y arriver. Non, je peux y arriver. Voilà, on peut en mettre une ici comme ça au cas où. Vous pouvez aussi vous mettre là pour tirer sur votre dino. Vous pouvez en mettre tout le tour si vous voulez des rampes. Ça peut être toujours très pratique. Alors, moi je vais préférer la mettre comme ça ici. Comme ça vous voyez, je me mets là. Et là vous êtes sûr que vraiment, même si c'est un T-Rex, là il ne pourra jamais vous toucher. Voilà, d'ailleurs, c'est ça que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer avec mon T-Rex là-bas que le T-Rex rentre dans ce piège, même si c'est des dinoportes et pas des behemoths. Alors, je sais pas si ça a été fait exprès dans le jeu que les Rex puissent rentrer dans les dinoportes, parce que, quand même, de base, vous voyez, elles sont quand même petites. Et vous voyez, hop, le Rex est dedans. Je vais vous mettre comme ça, vous allez mieux voir. Vous voyez, le Rex est dedans. Eh, ça bug là par contre. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris l'essentiel. Le Rex est rentré dans la dinoporte. Il est dans le piège. Votre pote referme un côté tout de suite derrière votre passage. Il ferme la deuxième. Bon, pas en rentrant dans la cage comme je fais, hein, bien sûr. Ensuite, vous vous mettez là. Hop. Et là, vous pouvez l'enchaîner. Bim, bim, bim. Que ce soit même un Rex 150. Par contre, faites attention. Parce que le Rex peut casser la pierre, si je dis pas de bêtises. Donc, essayez de vous dépêcher quand même. Mais le mieux, si vous dépêchez, c'est d'y faire avec un fusil plutôt qu'une arbalète. Parce que l'arbalète met beaucoup plus de dégâts par rapport à la torpeur qu'il met. Et vous risquez plus de le tuer. Enfin, j'ai déjà fait l'expérience avec des loups en fait, et les loups, à chaque fois que je vais les faire à l'arbalète, je les tue presque, même que ce soit des hauts niveaux. Donc je préfère moi les faire au fusil, avec les fléchettes tranquillisantes. C'est sûr, ça coûte beaucoup plus cher en ressources, mais c'est beaucoup plus safe pour le dino que vous voulez tamer, quoi. C'est mon avis, bien sûr. Sinon, si vous le faites à l'arbalète, attendez bien 3-4 secondes minimum entre chaque flèche, histoire que la torpeur ait bien le temps de monter. Donc déjà, vous, ça vous fera économiser des flèches d'arbalète. Et de deux, ça fera en sorte que les dinos prennent le moins de dégâts possible. Mais voilà, en gros, c'est la technique comme ça. Après, je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé de rajouter. Vous voyez, là, j'ai une largeur en plus par rapport à la dinoporte. Vous n'êtes pas obligé de la rajouter. Parce que sinon, vous voyez comme là, le Rex, il a beaucoup d'espace dedans, donc il peut se retourner tout ça. Alors que si vous faites juste la largeur de la dinoporte, le Rex aura beaucoup plus de mal à se retourner. Donc beaucoup plus de mal à vouloir essayer de s'échapper ou quoi que ce soit. Après, vous voyez, moi j'ai mis des cadres de porte tout le tour. Tout simplement pourquoi? Parce que la dernière fois, si vous avez regardé la vidéo sur le timing du Sabertooth, en fait j'étais là, ici, en train de tirer sur le Sabertooth. Tranquillement, et en fait il y a un autre Sabertooth qui arrivait par derrière, et pour l'esquiver, ben je suis passé vite fait, hop, j'ai traversé comme ça d'un coup, et le Sabertooth a pas pu me toucher. Je vous invite à regarder la vidéo d'ailleurs de Stamming, vous allez savoir un peu comment on a utilisé le bateau piège lors de cette vidéo. Et voilà, donc là ici pareil, vous pouvez tirer en fait tous les côtés, même quand il est glitché comme ça à travers la porte, hein.
Ça, vous n'hésitez pas, vous lui tirez dans la tête, là, il n'y a pas de souci, il va prendre pareil. Hein. C'est pas la porte qu'il va prendre, c'est bien le T-Rex ou ce que vous voulez, même si c'est un loup ou ce que vous voulez, vraiment ce que vous voulez, un ankylo, n'importe quoi. Vous pouvez tout faire dans ce piège, à part bien sûr les giganos, tout ça. Ça marche très bien aussi pour les argentavis. Voilà, comme je vous ai dit, les argentavis, vous rentrez avec votre Optera tout en ayant aggro l'argentavis. Vous ressortez par le petit trou, vous allez sortir, mais pas l'argentavis. Ça, c'est très bien, vous voyez? Et surtout, pensez à faire un trou de chaque côté. Suivant comment vous allez amarrer votre bateau, ça va. Comme ça, vous allez pouvoir sortir des deux côtés. Suivant de quel côté vous avez aggro le dino. Donc voilà, les gars, c'était juste un petit tuto comme ça. J'espère que j'ai pas trop. Enfin, j'ai fait quand même pas mal de fails. Mais l'idée est là. Et si vous avez de meilleures idées à me proposer, je suis preneur. Ça, il n'y a aucun souci. Je suis très ouvert d'esprit. Donc si vous pouvez. Si vous avez des idées à me donner, je vous invite à les laisser dans l'espace commentaire, à mettre un gros like si la vidéo vous a plu, un gros like aussi si comment dire, si le projet, l'idée est bonne, si vous la trouvez bonne. Et voilà les gars, donc c'était tout pour, c'était un petit tuto assez rapide, c'est pas très dur à faire en fait, c'est vraiment facile à faire. Le plus chiant c'est de faire les ressources. Voilà, par exemple toute la pierre qu'il faut. C'est sûr, il en faut pas mal, mais une fois que vous l'avez, par contre, votre bateau, il est. J'allais pas dire incassable, mais il va être très résistant. Nous, ce qu'on fait, le bateau, c'est qu'une fois on l'a emmené dans le biome neige, on le laisse là-bas au fur et à mesure. On fait juste les voyages après avec les oiseaux pour y aller, etc. Donc voilà, les gars, c'était tout. C'était un petit tuto rapide. Et puis voilà, n'hésitez pas, gros like, un commentaire pour me donner votre avis. Et surtout, partagez un max pour si vous connaissez des gens qui commencent dans Ark. Et que ce petit tutoriel pourra vous aider. Allez les gars, c'était tout pour moi. Peace.